Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette deuxième journée de compétition ici en direct de la piscine du Chaudron. À mes côtés, notre consultant, notre expert, l'œil qui a la personne qui a les yeux sur tout. Surtout sur l'eau. Bonjour Marc. Bonjour Thierry. Ravi de vous retrouver encore une fois. C'est partagé. Alors, on a encore une journée comme hier, 16 médailles pour les Réunionnais. À votre avis, quelle réaction est-ce que l'on peut s'attendre du côté des autres délégations? Parce que c'est vraiment un quasi sans faute de la part des Réunionnais. Oui, alors le programme d'hier était plutôt en faveur des Réunionnais. La compétition aujourd'hui va être beaucoup plus hard parce qu'on a deux, trois épreuves où les Mauriciens, surtout, et les Seychelloises aussi, vont être présentes. Et ça va être une compétition très, très rude où l'orgueil de gagner va être important. Et je pense que la fin de la journée entre le 102, dame le 50 brasse garçon et les relais, ça va être super. C'est vrai qu'il va y avoir des courses vraiment prometteuses. On l'a vu hier, on a eu un avant-goût, un certain nombre de médailles du côté des Réunionnais, mais aussi une riposte du côté de Maurice, de Seychelles, assez importante, où on a vu que leur niveau avait progressé, ils avaient augmenté. On va quand même aller faire un tour du côté du bord de l'eau, où se trouve notre spécialiste. Elle ne rate rien, elle voit tout. C'est Katiana Castelnau. Katiana, d'ailleurs, vous n'avez pas perdu de temps, vous avez déjà quelqu'un à côté de vous. Absolument, il est en train de s'éloigner au moment où je vous parle. Bonjour Marc et bonjour Thierry. Venez, 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 rapprochez-vous. Alors vous le voyez, je ne suis pas toute seule. Hier, effectivement, 8 médailles pour la Réunionnais, alors qu'il y avait 9 épreuves, un record battu également, 7 records battus, dont 6 pour la Réunionnais. Mais côté, j'ai Philippe Pascal, le DTN de Maurice, donc, qui nous a confié tout à l'heure que lui, son seul objectif, c'était d'empêcher les Réunionnais d'avoir un maximum de médailles. Mais comment vous allez vous y prendre? Avec nos meilleures armes, c'est-à-dire on a un relais ce soir où on espère bien justement changer un peu la donne. On a une épreuve de 50 brasses qui est très serrée avec 4 athlètes dans la même seconde. Là aussi, on espère que la chance va tourner à notre faveur. Et puis il restera encore 2 jours pour colorer avec un peu d'or nos médailles. Et vous avez un objectif de médaille d'ici la fin de la semaine? Pardon? Vous avez un objectif du nombre de médailles d'ici la fin de la semaine ou pas? Non. J'ai pas un ordre fixe de. Il n'y a pas un nombre, si vous voulez. L'enjeu, il est très simple. Comme je vous ai dit, l'objectif des Français, c'est d'obtenir 38 médailles d'or, okay, de réaliser le plus grand nombre de records des Jeux. Notre jeu à nous, c'est de les empêcher, justement, et de leur shipper le plus de médailles d'or possible. Eh ben, le ton est lancé. Oui, c'est le cas de le dire. Vraiment, le ton est donné et lancé. Et il va y avoir de grosses compétitions aujourd'hui, de belles courses, avec, je vous l'ai dit, un final en apothéose, Marc. On a commencé à aborder. Alors, on va voir un peu le programme du jour sur les compétitions. Alors, il est clair que ce que dit Philippe Pascal, c'est vrai. Le 50 brasses messieurs, 4 nageurs, dans la même demi-seconde, le relais 400 nages libres en fin de l'après-midi, qui est un mano-mano extraordinaire. Donc on va démarrer par le 100 papillons, dames, messieurs, le 400 nages libres, dames, messieurs, le 100 dos, dames, messieurs, le 50 brasses, et ensuite le relais 400 nages libres, messieurs. Oui, donc vraiment de belles courses où il va y avoir peut-être des doublés réunionnais, mais aussi une forte concurrence, et notamment du côté des Seychelles. Oui, certainement des doublés réunionnais dans les premières courses. En dos, ça va certainement déjà changer, puisque la Seychelloise est largement la meilleure sur les chronos, parce qu'en fait, c'est une jeune fille qui s'entraîne aux États-Unis, donc voilà, on a du mal à lutter contre ces sportifs. Et ensuite, je crois que c'est une journée où on verra certainement beaucoup de records des Jeux des Îles tomber. C'était aussi un des objectifs, c'est 31 médailles, c'était le record. Aujourd'hui, c'est battre des records, mais aussi être capable d'obtenir de belles performances. Absolument, et ça progresse par rapport à il y a 4 ans. Il y a quelques records qui ont été battus il y a 4 ans par des Seychellois, par des Mauriciens. On espère aujourd'hui reprendre ces records, mais les autres aussi. Avec le public qui a répondu présent. Tout à fait. On le voit, il fait bon, il y a du soleil. Voilà. Toutes les conditions sont réunies. Voilà, et le vent a chassé les nuages. Voilà. Et ben on va pouvoir assister, on vous l'a dit, à un très beau spectacle. Katiana, je crois que vous vous êtes déplacée encore une fois. Ah mais oui, c'est l'objectif. Et je me suis déplacée vraiment au cœur de cette formation, cette sélection réunionnaise. Hop, je vais me faire une petite place. Je dis bien petite parce que je ne sais pas si vous voyez le gabarit de ces nageurs. Et à mes côtés, donc j'ai Corentin qui va nager. Mais oui, tu es en direct, Corentin. Alors c'est un jeune espoir, il n'a que 13 ans. Comment tu sens cette journée? Ça va.
très prolixe également. Et toi alors, Mathilde? Ouais, moi ça va, super, on est motivés. Je pense qu'on va garder la bonne humeur qu'on a eue hier pour aller rafler toutes les médailles aussi cet après-midi. Alors, bonne humeur, certes, mais quelques problèmes de logistique aussi, parce qu'on vous a vu avec les drapeaux, vous partiez, vous reveniez. Est-ce que vous avez répété cette fois-ci? Ah ben non, pas du tout. Nous, c'est toujours dans l'improvisation, mais c'est comme ça qu'on marche mieux. Nous, on y va, on fonce. L'objectif de la journée, Géraldine? Pour moi, les 50 brasses et puis le maximum de médailles pour toute la sélection. On y croit. Ben, montrez-nous, vous avez un cri de guerre? Montrez-nous que vous êtes en forme. Bon, les gars, cri de guerre? Mais non, je sais pas, en fait. Pas de cri de guerre. Allez, pas de cri de guerre, mais d'ici là, je suppose qu'ils en auront un, en tout cas. Et oui, un cri de guerre pour le team Réunion. Ils vont avoir de quoi justement exposer avec cette première course. Hein. Le 100 mètres papillon dames, c'est la finale avec encore une fois Emma Morel qui se dégage plus ou moins, on voit sur son temps d'engagement. Puis il va peut-être y avoir une lutte pour l'argent, hein, avec une belle course en perspective. Hein. Oui, tout à fait. Alors Emma Morel qui est maintenant au pôle de Toulouse depuis 2 ans, qui est une origine de Saint-Joseph, qui fait partie des meilleures papillonneuses françaises sur 50, 100 et 200 papillons et qui va aujourd'hui, à mon avis, tout faire pour battre d'une part le record des Jeux, mais aussi sa meilleure performance. Et donc, c'est surtout en deuxième place pour l'argent entre notre ancienne Marjorie Warraud qui a 26 ans et puis aussi donc l'île Maurice et les Seychelles qui sont tout proches, entre une 4 et une 5. Donc ça va être une belle course pour la médaille d'argent. C'est vrai, belle course pour l'argent, un record des Jeux qui est en péril. On a tout pour avoir une très très belle course tout de suite pour la première course d'entrée, ce 100 mètres papillon dame. Donc Emma, la ligne numéro 4, qui est une très très nageuse talentueuse et qui progresse régulièrement de compétition en compétition. Je crois qu'elle veut tout faire aujourd'hui pour battre son meilleur temps, qui est de 1,73. Oui. Je crois qu'elle compte quand même avec la ligne 3, avec la Mauricienne, hein, Poucheong, Elodie Poucheong, qui a aussi un très beau temps d'engagement, et qui était parfaite ce matin lors des séries. Donc on va voir sur la coulée, la première. Dans la coulée, déjà, on voit le travail des Mauriciennes, qui sont un peu devant. Bon, je pense, la Seychelloise aussi, bien devant. Emma qui va reprendre, je pense qu'elle va toucher en tête aux 50 mètres. Et puis Marjorie qui est un tout petit peu en retrait derrière les Mauriciennes et derrière la Seychelloise. En retrait, mais les Seychelloises sont très bien également aussi. Hein. On voit bien. Voilà, donc Emma qui touche, passe en 28,5, c'est très vite, c'est super. Et là, elle domine la course, c'est sûr. Et puis derrière, ça va être, faut te dire, le deuxième 50. Marjorie est une batteuse. Donc elle va essayer de passer, mais là ça tient, les Mauriciennes tiennent pour la deuxième place. Ça va être serré. Et hein. même très Emma qui est en train de se faire rattraper. Hein, oui. Voilà, donc on va faire... Avec Felicity, ça va être vraiment juste, ça va être à la touche. Hein. Elle a une petite avance, oui. Super performance des Seychelloises, de la Seychelloise et des Mauriciennes qui font 2, 3, 4... Absolument super, belle course et belle performance. Elle bat même son record. Alors, le record des Jeux des Îles est battu, c'est clair. 1-0-1, parfait. Mais alors, passons impressionnante. Hein. Son meilleur temps qui était 1-5, elle fait 1-2-6. Et les Mauriciennes qui étaient créditées de 1-4, 1-5, font 1-3, 1-4. Non, c'est une course qui était très rapide, où tout le monde a amélioré son temps. Oui, on l'a vu. Hein. L'engagement est toujours le même. Hein, et absolument. On sent qu'il y a de l'émulation aussi. Et je crois que la Réunion devrait se méfier. Voilà, ils sont là, les Mauriciens, les Seychellois. C'est un signe pour les relais. Aussi. Hein. Oui, absolument. C'est un signe pour les relais. Ils ne vont pas se laisser faire. Il ne faut pas qu'on s'endorme sur nos doux lauriers de notre petite île. Ils sont là. Eh bien, c'est à Katiana de nous dire tout cela. Emma, vous êtes battue comme une lionne dans une arène. Et vous, en plus, vous avez explosé le record des Jeux des Îles. Est-ce que vous êtes fière? Quel sentiment vous éprouvez là, à cet instant? Je suis très contente parce que j'ai fait une semaine de compétition à Montauban. On a pris l'avion dimanche soir pour arriver lundi. Et on enchaîne directement sur les Jeux des Îles. C'est vraiment... super, je m'attendais pas à refaire une. C'est un gros une, mais c'est une quand même. Alors, en plus, la première place, c'est super. On va vous laisser apprécier votre médaille d'or. Évidemment, le ton est lancé.
avancé, vous l'avez dit. Aujourd'hui, l'idée, c'est de rafler le maximum de médailles d'or. C'est le cas de le dire. On peut s'attendre encore à une journée qui... un bis repetita d'hier, hein, avec encore une journée qui va ressembler à la précédente, avec encore une fois les Réunionnais devant, et puis peut-être les autres qui vont essayer de tirer leur épingle du jeu pour revenir. Oui, alors je crois que dans l'épreuve suivante, le saut papillon, on va s'en rendre compte, parce que même si Mathieu Bachmann a le meilleur temps... Avec une seconde d'avance quand même. Après ce qui s'est passé là, à mon avis, ça ne va pas être évident. Donc il faut que nos Réunionnais se méfient des Seychellois et des Mauritaniens et du Malgache. Surtout le Malgache, Ralefi, il est pas mal du tout. Exactement. Hein. On l'a vu ce matin, il a vraiment il a bien nagé et il est disponible pour la suite. Alors en plus, ce qu'il faut voir sur cette course, c'est qu'il y a le record des Jeux. On l'a vu sous ses yeux, Franck Schott qui détient le record des Jeux. Bah, il pourrait voir son record tomber sous ses yeux. Exactement, 56-22, record des Jeux. Le record de la Réunion, c'est 56-31, c'est à Sombé de Saint-Jean. Et puis là, donc, nous avons Mathieu Bachmann, créopolitain, et Lucien Kevin qui nage à Saint-Paul, à la Sec, et qui a été champion de France cadet l'année dernière sur 50 papillons. Voilà, mais bon, on va surveiller, je ne vais pas m'avancer, je regarde comme vous, et avec beaucoup d'impatience. Il faut vraiment bien suivre ces couloirs de ces messieurs, le 3, le 4 et le 5. Ces lignes d'eau, ce sont celles à suivre, a priori. S'il y a surprise, elle doit venir de là. Absolument. Et si un record doit tomber, c'est de ces lignes d'eau. Avec quand même un petit avantage d'une seconde pour Mathieu Bachmann. Très en forme ce matin lors des séries. Qui a fait un très beau 200 nage libre aussi, en 1,55 ce matin. Kevin qui, comme à son habitude, part assez vite. Donc on voit le malgache déjà en avant. Voilà, il est parti. Ils ont l'habitude de passer vite aux 50. Le tout, c'est de revenir. Kevin est bien parti également. Mathieu plus dans la gestion. Mathieu est bien. C'est assez serré. Hein. Ouais. On voit avec un petit avantage. Alors, c'est le malgache qui touche. Ralefi, hein, 26 secondes, c'est très rapide. Il faut tenir. Maintenant, il faut tenir. Voilà. C'est un bon virage. Alors là, c'est vraiment dans les derniers. On est aussi dans du mental. Là, je vois Mathieu qui va remonter. Je pense que Mathieu doit passer. Mais c'est pas gagné. C'est pas gagné. Ça va vraiment être. Ouh là là, ça va être dit. C'est pas gagné. Attention, les juges, c'est à vous là. Absolument. Donc je pense un Mathieu. Mathieu devant. Gagne sur les 2 mètres. Bien joué. Voilà. C'est vraiment super, ça s'est joué avec super performance. Quelle bataille de la part du malgache où on sent qu'il le voit revenir au fur et à mesure. Et Mathieu Bachmann qui vraiment à la touche, super temps. Ouais. Alors est-ce qu'il bat le record de Franck Schott? Et battu. Le record battu. 55, bravo. Très très belle course. Ouais. On vous l'a dit, ne ratez pas cet après-midi, il va y avoir du spectacle et des médailles, mais aussi plein de records qui vont tomber. Voilà, ce n'est pas des podiums complets, hein. Ils sont là, les candidats des autres îles sont présents, ils progressent et ça ne va pas toujours être facile. Alors on va revoir. Alors ça s'est joué dans les derniers mètres, donc simplement Ralefi a un petit peu cassé à la fin. Parce qu'un 100 mètres, il faut tenir, il faut équilibrer son parcours. Parce qu'il est parti très très vite. Il est parti très vite, mais c'est aussi une façon de gagner. Après, il faut l'endurance pour tenir. Mais une façon de gagner, c'est-à-dire c'est casser le moral à ses adversaires en disant voilà, très vite, j'ai pris de la distance et eux, vous allez faire l'effort pour essayer de revenir jusqu'à moi. Je suis avec Mathieu. Et l'énorme, le très très grand Mathieu qui explose sous le regard de Franck Schott, le record des Jeux des Îles. Vous vous êtes battu jusqu'à la fin parce que ça s'est joué quand même à très peu de temps. Ah, je savais qu'il allait revenir vite, vu qu'on se côtoie souvent en compète en métropole, vu qu'il nage à Marseille. Je le connais, je sais comment il nage. Je savais qu'il fallait garder de la force pour le deuxième 50. L'image de Donc voilà. Batman, qui je pense va aller Donc voir du coup, c'était une nage vraiment stratégique. Comment ? Ça a été une nage stratégique. Ouais, assez. Parce qu'après, j'ai quand même le sans-crawl du relais, où je pars premier, donc je dois assurer une bonne place. Contre Maurice, qui vont être vraiment des adversaires redoutables. Et vous vouliez ce record? Vous le vouliez? Non, c'était surtout la gagne. Après, le record, voilà, c'est en plus, c'est bien. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, on va voir si Mathieu va avoir les félicitations de son sélectionneur, puisqu'il a quand même battu son record. Voilà.
tout cas, très très belle course de la part de Mathieu. Hein. Ah ouais. Bon, je pense qu'il a déjà fait 55, donc il reprend la performance qu'il a déjà fait. Mais là, bref, il fallait le faire. Il revient de Motoban et c'est comme Emma. Le voyage, la fatigue, c'était pas évident. C'est vrai, hein, ils ont eu, il faut le rappeler, très peu de temps pour de récupération. Ah oui, hein. Il a fallu faire dans la gestion pour eux. Le lendemain, ils étaient déjà dans les bassins. Donc c'est vrai que pour eux, ce n'était pas évident. Ils sont arrivés lundi. Pour certains, il y a une journée de récupération. Bon, voilà. En tout cas, ils s'en sortent très bien. Puis c'est aussi à travers ce type d'expérience qu'on voit la force et la qualité de la nage de la part des Réunionnais et puis dans l'engagement des autres. Ouais. Bon, le travail et le mental. Alors, maintenant, on va passer aux 400 mètres nage libre. Avec là encore toujours la course aux médailles et aux records, hein, avec bien sûr Alizée Morel qui va continuer sa marche en avant. On a du mal à imaginer qu'elle puisse être menacée sur ce 400 mètres nage libre, tellement son avance est criante. Oui, tout à fait. Alors Alizée, comme on l'a dit hier, donc là elle part pour sa deuxième médaille d'or qu'elle aura sans problème. C'est quand même maintenant une jeune fille qui est dans les 8 meilleures, les 10 meilleures nageuses sur 400 mètres, dans les 5 meilleures sur 800 mètres et sur 1500 mètres. Donc là, elle a une marge de manœuvre considérable. Elle va pulvériser le record du 400 mètres qui est détenu par une Seychelloise, Austin, il y a 4 ans, qui avait fait 4,26,59. Donc elle va nager dans les 4,15, voire mieux. Et puis à côté d'elle, il y a Waro Mathilde, qui est donc une des anciennes. Donc on a une créopolitaine et une réunionnaise de pure souche qui va essayer peut-être de battre le record de la Réunion qui est détenu par Aurélie Gresset et qui date d'il y a 16 ans et qui est de 4,21,81. Voilà. Je pense que Mathilde c'est va... dans ses cordes. Voilà. Donc elles vont faire première et deuxième, je pense, sans trop de problèmes. Après, il faut voir les... C'est pour la médaille de bronze, la troisième place sur le podium. Peut-être, moi je mise plutôt sur la mauricienne. Hein. Voilà, donc Emma là, elles sont... Qui a un petit peu... Mais c'est vrai qu'elles sont très très proches les unes des autres. On voit sur les mauriciennes, oui, on va voir ça. Sur les chronos, les mauriciennes sont un peu en avant des Seychelloises. Bon, vous voyez, le trou est fait. Hein. Alizée part en avant. Alors, est-ce qu'elle a envie de faire une bonne performance ou est-ce qu'elle se contente de gagner? Et je pense que Mathilde, derrière, elle veut faire un bon temps et certainement battre le record de la Réunion. Elle a intérêt d'ailleurs, Mathilde, à se mettre dans le sillage d'Alizée. Si elle veut pouvoir améliorer ses performances et continuer à progresser dans son creux. C'est trop fort. Suivi pratiquement de deux mauriciennes, en 1,752 et 1,755. Voilà, on voit qu'elles continuent leur cavalier seul, les deux réunionnaises. Et je pense qu'on devra avoir encore une très belle course. Oui, alors là, je vois Alizée... En termes de chrono, hein, parce que oui, c'est alors pas dans l'adversité. Hein. Alizée n'a pas l'impression, on n'a pas l'impression comme ça qu'elle s'emploie à fond. Bah, c'est un 400 mètres, donc il faut voir un peu. Mathilde, bon, elle essaie d'accrocher. Enfin, le décalage, de toute façon, il existe, il n'y a pas à dire. Et puis donc derrière, la différence est faite déjà. Hein. Les deux mauriciennes, on a la Seychelloise qui s'accroche aux mauriciennes. Alors on va voir le temps de passage aux 200 mètres. Alors 2,6,30 et 2,9, ce sont des très bons de passage. 2,6 c'est habituel pour Alizée. Par contre pour Mathilde 2,9 c'est pas mal. Il faut tenir pour faire moins de 4,20 pour Mathilde, c'est à dire il faut revenir maintenant en 2,11. Ça va être un peu plus difficile. On arrive à 250 mètres, toujours Alizée devant, derrière aussi c'est la mauricienne à la ligne numéro 3 qui va prendre certainement la troisième place. Donc Klimatouk. Et la Seychelloise qui dépasse. Qui finalement revient bien, qui arrive dépasse à dépasser. Donc c'est Naido. Voilà, donc les Seychellois qui apparemment sont bien préparés, on les voit un peu partout. Prendre le devant, ce qui n'était pas prévu. Alors on arrive aux 300 mètres. Elle était passée en 1,6, on est à 3,10, 1,6. Donc elle fait 3,12,82. Ouais, donc elle a fait 1,6 pour le troisième. Donc si on termine, elle va terminer à peu près
à 3,18 à peu près. Et Mathilde 2,17, donc ça lui fait une 8, donc ça lui fait du, plutôt du 4,25. Voilà. Donc les performances ne seront pas forcément au niveau, mais bon, il y aura l'or et l'argent. Voilà, dernier 50 mètres pour Alizé. Donc là, elle va appuyer sur son battement de jambe pour terminer. Bon, là, maintenant, c'est vraiment de la gestion pure. Hein. C'est, voilà, ouais. On voit dans sa nage, même le battement de jambe, bien qu'elle elle appuie un petit peu, on sent que il n'y a pas comme hier, on avait pu voir. Hein. Là, elle accélère. Pas la même adversité. Ouais. Hein. Là, on sent qu'elle accélère un peu. Voilà, elle appuie sur ses jambes. Elle tire un peu plus sur ses bras. Donc 4-13, 14, on sera plutôt à 4-20 là. Ouais. Voilà, j'étais pas loin. 4-18, 4-19. 4-19-03. Et Mathilde, 4-26, donc j'étais parti sur 4-25, j'étais passé. Voilà, donc c'est. Par contre, Mathilde, bon, il échoue contre encore la Réunion. Qui restera. Alors, donc en sera là. Et c'est troisième pour Emma Toc, la Mauricienne, qui termine troisième. Et la surprise, c'est Grasselli des Seychelles qui termine quatrième, qui n'était pas prévu du tout d'après les temps d'engagement. Oui, 5-16, elle était loin. 4-53-25. Donc ça fait Morel en 1, Mathilde Arao en 2 et la Mauricienne Liman Toc. Voilà, et troisième record des Jeux sur trois épreuves. Et vraisemblablement, derrière, pareil. Écoutez, si vous ne savez pas quoi faire de vos après-midi, vous savez où devez venir. Hein. C'est à la natation. Là, il y a plus de records et des médailles d'or. Tout à fait. Et ça va vite. Donc ensuite, on aura le 400 mètres nagim, messieurs. Là encore, il y a de quoi raconter. Je suis avec Alizé. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous faisiez un signe avec votre main, ça veut dire quoi? Ouais, j'ai cru run dessus, bon, pour la Réunion, mais ça s'est passé, donc dommage. Troisième épreuve, troisième médaille d'or pour vous, troisième record des Jeux. Vous êtes satisfaite? Très satisfaite, ouais. Le temps n'est pas trop là, mais la médaille est là. Et pour moi, mon but, c'est de faire plaisir aux Réunionnais, de les rendre fiers, donc je suis contente. Et surtout que vous avez parié avec votre papa. J'ai parié avec mon papa, ouais. Donc on arrive presque à 8, là, ça fait 3. Bon, il en reste pas mal. Et si je peux me permettre, vous avez parié pourquoi? Je sais pas encore, on verra, mais bon, je sais pas encore. Bon, c'est mon papa, donc il n'y a pas de. C'est pas grave si l'un de nous deux perd, quoi, mais bon. Non, on compte bien sur vous pour rappeler les 8 médailles, hein, comme vous l'aviez annoncé, Alizé. Merci. C'est bien, c'est une famille comme ça où on se lance des paris sur les probables médailles. C'est vrai que la barre paraissait haute, mais finalement, quand on la voit nager, on a le sentiment que c'est tout à fait possible et elle est en mesure de pouvoir obtenir ses 8 médailles à l'issue de ses jeux. C'est quand même une des meilleures nageuses françaises actuellement sur le demi-fond. Elle s'entraîne au pôle de Nice, dans le grand pôle niçois, et donc effectivement, elle domine tout ça. C'est comme Benoît Debasse qui est dans les chez meilleurs nageurs de demi-fond français. Qui a réussi sa meilleure performance sur 200 mètres. À la ligne numéro 4, Debasse Benoît pour la Réunion. À la ligne numéro 3 pour le Seychelles, Mangron Steven. À la ligne numéro 2. Alors il y a quand même une belle surprise, hein, c'est Corentin, 13 ans, il est champion de France Benjamin. Oui. Et on peut dire que c'est un des chefs de file de la natation réunionnaise pour demain. Hein. Oui, tout à fait. Dans 4 ans, il sera prêt. Tout à fait. Alors, Corentin, il est tout simplement cette année, début du mois de juillet, il a remporté le titre de champion de France Benjamin sur un ensemble de 6 épreuves, meilleur Benjamin de France. Il faut savoir aussi qu'il détient 2 meilleures performances dans la catégorie des 12 ans sur 400 mètres et 800 mètres, donc sur le plan national, des records de France catégorie 12 ans. Et Corentin, il a réussi le 4-18, ce qui lui permet de nager aujourd'hui en numéro 2. Et c'est tout simplement le record de la Réunion en catégorie 13 ans. Et je pense qu'il va certainement tout faire pour battre ce record. Alors on va suivre ça de près. Alors, c'est Benoît, grand favori, Benoît Debasse. Oui. Et puis après, derrière,
Eh bien, peut-être la surprise pouvant venir de Corentin Trinet ou tout simplement, après à suivre le Seychellois, Steven Mangrou, aussi très bon avec 4-20. Voilà, alors Corentin est un bon finisseur. Bon, Benoît, tout le monde le connaît maintenant à La Réunion. Il a fait son meilleur 200 mètres nage libre hier. Il était quand même médaille de bronze du 400 mètres des championnats de France il y a 3 ans. Il a remporté 2 médailles d'or aux 16 ans et plus à Montauban la semaine dernière. Et il faut savoir que Benoît est entraîné pas par n'importe qui. Par monsieur Lucas. Camille. Philippe Lucas. Donc c'est pas n'importe qui. Donc ça veut dire volume d'entraînement important, exactement. Avec de la rigueur, ouais. Mais aussi beaucoup de plaisir. Donc je crois que là, il va tout faire pour essayer de faire son meilleur temps. 56, 55. Ah oui, il passe très vite. Donc le record du meeting, 3,57,80. Je pense qu'il est capable de nager 3,53 sans problème. Et Corentin, il s'accroche déjà là. Je pense qu'il va terminer deuxième. Parce que c'est un bon finisseur. Et il est jeune, il a le culot et il va y aller. Oui, en plus, il y a toujours cette motivation. Quand vous voyez vos partenaires, vos coéquipiers qui ont réussi à faire eux aussi de belles performances, vous ne pouvez pas rester en retrait. Tout à fait. Donc forcément, là, du côté des Réunionnais, il y a cette envie de vouloir continuer à poursuivre sur leur lancée. Tout à fait. Et encore glaner des médailles et des records. Ouais. On voit, il est très facile dans sa nage. Hein, du côté de Corentin, regardez l'image. Alors, à côté de Corentin, c'est Marquet, le Mauricien. Donc, la différence d'âge, c'est 8 ans. Et Marquet est simplement un des meilleurs sprinteurs de Maurice, puisqu'il a fait un super 200 mètres ce matin. Et il est capable aussi, lui, de nager en 51-52 secondes 200 mètres. Donc sur 400 mètres, est-ce qu'il va tenir le coup par rapport à la jeunesse ? On va voir, voilà, c'est ça. En tout cas, Benoît de Basse, lui, continue son cavalier seul. C'est parti pour lui. Donc il a fait il est 59 au deuxième 100 mètres. Donc s'il termine bien, une 59, ça fait 58. Donc il est capable de faire de 3,53. Ce qui serait un super temps, même au niveau métropole. Dans les rankings, ça le classerait encore une fois dans le top 10 des meilleurs 400 mètres. Mais je ne serais pas étonné que Philippe Lucas lui ait donné des objectifs à atteindre lors de ces jeux, hein, qui doit même le suivre de près, bien qu'il soit de ce côté pour le moment en Russie, mais il a dû lui demander quand même de faire des performances. Il doit un petit peu se parler, même avec Frank Schott, pour savoir un petit peu comment ça se passe. Bon, Benoît se gère bien. Je pense qu'effectivement, Philippe Lucas, qui est au championnat du monde en Russie, là aujourd'hui, avec l'équipe de France, il lui fait confiance. Il y a un petit message au départ, mais il gère ça tranquille. Alors 2,55, il a fait 1 minute. Donc s'il termine bien, il va faire du 3,55 voire 3,54. S'il arrive à bien terminer. Et par contre, les Mauriciens ne se sont pas laissés faire et se sont détachés de Corentin. Corentin, oui. Il est en train de... Et Marquet, il a sa jeunesse. Hein, tout à fait. Il apprend, mais dans 4 ans, les choses seront pareilles. On a quand même le sentiment de voir à quel point est-ce que ça va vite. Parce que quand on voit la manière à laquelle ce record va être battu en 4 années, on voit la vitesse de progression et l'entraînement qui est fait. Ouais. Alors, il faut regarder aussi la troisième place là-bas, c'est le malgache Mangrou. Qui était crédité de 4,20 et qui aussi est surprenant là. Bon, alors là on voit Benoît, il termine sur son battement de jambe, il sprint, donc je pense qu'il va faire au moins 3,54 9, voilà, c'est un petit peu ce qu'on... Et il bat le record des jeux, c'est clair. Non mais là c'est même plus le battre, c'est carrément l'exploser. C'est terrible. C'est un super temps. Et puis donc derrière, c'est marqué le Mauricien. Et troisième, le Malgache. Ouais, super. Vraiment super 400 mètres. 4,15, c'est super, c'est son meilleur temps. Le Malgache, c'est son meilleur temps. Et Corentin termine cinquième. C'est pas son meilleur temps. Bon, on peut pas être au top en permanence. Il faut dire que lui s'était arrêté début juillet après les championnats de France Benjamin, donc il fallait qu'il reprenne un petit peu tout ça. Bon, il a 13 ans et c'est super. Belle course, vraiment très belle course. On a vu le cavalier sol de Benoît de Bast. Hein. Ouais. Et donc ça fait des beaux podiums bariolés. Il n'y a pas que le drapeau français, même si, il y en a d'autres. Et c'est très très bien pour l'avenir de la natation dans l'océan Indien.
parce que quand on est dominateur comme on l'a été pendant des années, eh bien on peut se poser des questions maintenant, de dire voilà, comment est-ce qu'on doit voir notre avenir de natation réunionnaise. Et ça passe peut-être aussi par les pôles avec plus d'échanges peut-être au niveau de votre bassin. Ben oui, alors ça c'est notre rêve. Nous rêvons tous en fait d'avoir un championnat de l'océan Indien chaque année, comme on peut le faire éventuellement partout, avec non seulement deux nageurs par épreuve, mais autant de nageurs pour qu'il y ait une émulation extraordinaire avec des jeunes qui participent. C'est un rêve de faire ces championnats. On a bien entendu le meeting de l'océan Indien qui se déroule au mois de fin décembre, où en fait on a des talents mondiaux qui viennent, mais il y a tout l'océan Indien qui est là, Maurice, Seychelles, Madagascar, l'Afrique du Sud. Mais alors c'est difficile parce que bon, c'est toujours pareil. Ce sont des nations autour de nous. Nous sommes une région, un département français. Donc les enjeux ne sont pas les mêmes, les financements ne sont pas les mêmes. Et au bout du compte, c'est quand même souvent une question d'argent. Organiser une compétition fédérale, natation, ça demande de l'argent. Donc il faut trouver les subventions publiques et privées. Donc c'est pas toujours évident. On va écouter Benoît. C'est pas évident, mais voilà, Benoît, il n'est pas tout seul, il est à côté de son frère François qui a arrêté la natation il y a quelques temps. Benoît, tu as exposé ton propre record aux Seychelles en 3,54, c'était 3,57, voilà. Si mes souvenirs sont bons. Satisfait ? Ouais, satisfait. 3,54, c'est correct pour la compétition. Encore meilleur, c'est 3,51. Donc là, je suis le record des Jeux, c'était l'objectif. Donc c'est cool. T'as pas une petite pensée pour Lucas, là, qui se trouve actuellement à Kazan, en Russie ? Si, on se tient au courant justement des temps et tout, là. Donc je dois tenir au courant de chaque performance après, quoi. Vous allez fêter ça après ? Ouais, à la fin de la semaine, on va fêter ça en famille et tout, ça va faire du bien, ouais. C'est pas fini, on garde le même objectif, le même cap. Oui, là, il y a le 4x100 qui va être important. Donc ça va être très serré avec les Mauriciens. Donc on va tout donner pour ramener l'or encore, quoi. Merci, Benoît. De rien. Oui, gardez le cap. Nous aussi, on va garder le cap, hein. Toujours avec la prochaine course, le 100 mètres d'eau dame, la finale A. Et là, par contre, ça va être difficile pour les Réunionnais parce qu'on le sait, la domination seychelloise, elle est importante. Alors, Marc, pourquoi cette domination sur cette discipline ? Il se trouve que les meilleures mauriciennes et seychelloises sont des jeunes filles qui sont parties s'entraîner aux États-Unis, c'est-à-dire qu'en fait ils font leurs études là-bas dans les campus américains, et on sait que les États-Unis en fait cherchent des nageurs, des sportifs du monde entier, offrent des bourses importantes qui vont de 80 voire jusqu'à 100% en fonction du niveau, et donc ce sont des jeunes qui s'expatrient comme beaucoup de Français d'ailleurs, et qui partent donc s'entraîner aux États-Unis. Donc il se trouve qu'en dos, les Seychelloises et les Mauriciennes s'entraînent aux États-Unis dans des campus, dans des centres de haut niveau, un peu comme nos sports en métropole. Et là, elles vont lutter contre de jeunes réunionnaises qui s'entraînent à La Réunion dans des conditions qui sont loin des conditions qu'elles ont. Et donc la différence, elle est là. Et ça, c'est très difficile. On voit très bien la différence entre les Créopolitains et nos Réunionnais. Nous n'avons pas de pôle. C'est très difficile d'en avoir un, et je pense qu'on n'en aura jamais. Donc on ne peut que s'expatrier loin, aux métropoles ou les États-Unis, voire l'Australie, pour pouvoir continuer à un certain niveau. C'est vrai que ça change la donne, mais en même temps, c'est aussi, on l'a vu hier, il y avait encore une réunionnaise qui partait l'année prochaine donc aux États-Unis. Donc c'est important pour les jeunes de pouvoir s'expatrier. Ils sont de plus en plus nombreux à rejoindre les pôles France. C'est aussi l'objectif. Alors c'est vrai que ça peut être un peu frustrant pour vous, les entraîneurs, les coachs, tout cet encadrement, tous les cadres techniques, de se dire, on va faire le premier pas, et ensuite nos athlètes, eux, vont partir. Oui, tout à fait, mais c'est le problème des îles. De toute façon, quand on fait le choix d'habiter dans une île et de faire du sport dans une île, eh bien, on sait que les compétitions régionales, c'est du nord au sud et du sud au nord. Exactement. Donc en fait, on tourne en rond. C'est se qualifier pour les championnats de France. On sait maintenant que les temps de qualificatif sont très très élevés, donc c'est pas à la portée de tout le monde. Et que si on veut vraiment vraiment opter pour une carrière sportive, il faut partir. Voilà. Après, l'autre frein, c'est le niveau scolaire. Donc tout c'est un choix personnel au niveau de chaque sportif. Qu'est-ce que je veux faire de ma carrière, le sport, l'école, l'université. Et donc il y a des pays qui offrent ça, c'est les États-Unis. Et c'est pour ça qu'il y a un engouement. C'est pour ça qu'ils sont aussi nombreux, parce que c'est la natation, mais c'est aussi l'athlétisme, c'est le basket. C'est de plus en plus, aujourd'hui, le football, on le sait. Exactement. Hein, c'est tout un encadrement tout à fait, qui est mis en place, le tennis et autres. Alors on va pouvoir suivre maintenant la cérémonie protocolaire.
Cérémonie protocolaire du 100 mètres. La première médaille remportée pour cette cérémonie sur 100 mètres papillon avec cette victoire. Directeur de la jeunesse à l'île Maurice et également de Mme Marlène Tolède, responsable du NSDR. Emma Morel. 1994. Non, c'est vrai qu'elle avait fait une très très belle course, hein, avec un, ah, tout à fait. Un beau temps à la clé. Tout à fait, et elle s'est battue parce qu'elle ne s'attendait pas du tout à cette résistance de la Seychelloise qui a battu son record de 2 secondes. Et elle devait être un peu surprise de l'avoir à côté d'elle. Donc elle a dû s'employer à fond. Et là, 1.3.86, c'est un super temps. Donc pareil, elle bat son record en grand bassin. Non, mais toutes, hein, toutes là, toutes 3 sur ce podium. C'est un très beau podium. Hein. Et là, on voit que nos consoeurs des îles voisines, en fait, elles prennent cette compétition à cœur. Elles pulvérisent leur record. C'est sublime à voir. Bravo, bravo, bravo. Belle image. Bravo, mesdames. Encore une belle course. C'était la première. Ça a lancé le meeting de cet après-midi. C'est cette journée d'épreuve de compétition. Alors il est clair que si on fait la comptabilité des médailles d'or, on va être devant. Mais si on fait la comptabilité des médailles globalement, on n'est pas forcément comme c'était prévu. Mais il y a quand même de la marge. Alors vous êtes peut-être un peu exigeant, mais pour moi, je trouve qu'elles s'en sortent vraiment très très bien. Ouais, Toutes. Voilà. Emma Morel qui a sur la première marche du podium. Voilà, super tableau. Ses camarades. Voilà, le sourire, l'image du sport, la camaraderie, c'est ça qui est beau. Alors on se bat dans l'eau et dehors, on est les meilleurs copains du monde. Avec une Marseillaise entonnée par le public dans le stade. Maintenant, ça va devenir une habitude. Vous pouvez l'entendre, surtout dans le team réunion. Hein. Exactement, oui, c'est le team ils sont à fond. On l'a dit, hein, ils se sont préparés, ils font à l'instinct. Ouais. Rien de prévu, puisqu'il y a un seul drapeau, alors à chaque fois ils se le lancent. Mais quoi qu'il en soit, ils sont présents. Bravo à eux. Tour d'honneur dans la piscine. Elle a le sourire, hein, Emma. On sent qu'elle est contente. Elle est heureuse. Elle est heureuse. Elle s'est dit voilà, elle a fait le job, elle l'a bien fait en battant son record. Et même du côté de la Seychelloise aussi, la Mauricienne aussi. La Mauricienne, voilà. Elle salue le COP mauricien. Voilà, elle prend son petit drapeau et là voilà, c'est parti. Donc pour Emma, une 1.90, c'est vraiment super parce qu'elle avait fait une 1.23 à Montauban. Et de refaire moins d'une 2 après donc ces championnats de France, le voyage et toute la préparation mentale, il fallait le faire. C'est super. La prochaine course va pouvoir commencer hein, dans pas longtemps. On va voir les nageurs se présenter. Ils vont certainement quitter la chambre d'appel. On les voit ici, là. Ils sont déjà prêts hein, avec, je vous l'ai dit, ce 100 mètres d'eau hein, qui s'annonce important avec dans cette course. Hein. Quelqu'un, vous allez encore gagner la ligne d'eau, la numéro 3. Oui, vous allez oui. suivre ça encore avec beaucoup d'attention. Alors, je vais suivre du club de Saint-Paul. Hein. Avec un peu plus d'émotion. Hein. Mais donc, le stand de dames, ce qui est important à savoir, c'est vraiment la course où une Seychelloise semble imbattable. Ouais. Voilà. Donc là, on aura, je pense, beaucoup de mal. Et derrière, c'est la course à la médaille d'argent. On ne sait pas trop, c'est un peu l'inconnu. Hier, la meilleure mauricienne avait été disqualifiée le matin pour un mauvais départ au 50 d'eau. Et c'est une jeune fille qui s'entraîne aussi aux États-Unis, en Californie, je crois. Et elle est dotée de 1.6 sur 100 mètres d'eau, c'est-à-dire un temps qui est meilleur que celui de nos Réunionnais. Donc en fait, on est quand même dans une situation d'expectative pas évidente. Voilà. Alors on va suivre maintenant
le podium des garçons du 100 mètres papillon, hein, avec cette finale, hein, avec la victoire de Mathieu Bachmann et Kevin Lucian. Voilà, formidable pour Kevin. Il est parti vite, il s'est un peu écroulé sur la fin, mais en tout cas, il a réussi à conserver sa place sur le podium. Médaille de bronze pour lui. Deuxième et médaille d'argent pour Madagascar, Ralefi Anthony Sitraka en 56 secondes. Ralefi, superbe course. Ouais. Ouais, très très belle course. Anthony, superbe course de sa part. Vraiment, ça s'est joué de très très peu, quasiment à rien. Mathieu l'a pris dans les derniers mètres. Mais Mathieu, c'est à l'expérience qu'il l'a joué là sur cette course. Et la rage, rage de gagner. C'est du mental. Et Mathieu, c'est quand même un bon finisseur. Il est bon sur les 200 mètres. C'est la rage. L'orgueil et la rage. Et bon, le malgache, il essayait. Ils se connaissent. Il a dit, ils se rencontrent régulièrement dans l'Hexagone. Ils s'entraînent l'un et l'autre. Ils sont habitués à se voir. Mais vraiment, là. Ils nous ont offert une course superbe avec vraiment ce final où ça. Oui, tout à fait. Parce que le malgache domine du début jusqu'à la fin et se fait avoir dans les 20 derniers mètres. Oui, donc sur 400 mètres. Les 5 derniers mètres. Oui, les 5 derniers mètres, vraiment, c'est de la folie. Hein. C'est une question de pousser sur les jambes, de pouvoir sortir ses bras encore un petit peu, de se lancer sur le mur. Et ça, Mathieu l'a fait, il l'a fait ce matin aussi. Dans les séries, c'était vraiment super. Avec son physique, cela dit, Mathieu, on le voit, il a quand même presque une tête de plus. Hein. Ça, c'est aussi avec son gabarit, il peut voir venir. Il a le physique de l'emploi et de la discipline. Et la Marseillaise en face. Et c'est reparti, oui. Même nos dirigeantes qui chantent. Oui, je vois ça. Et voilà, on voit, il y a de la joie. Hein. Et voilà, et le public sur le côté à chaque passage qui suit, hein, avec les deux drapeaux français. Voilà, et Kevin qui est fier de représenter la Réunion, c'est son île, il s'entraîne ici. C'est pas toujours facile pour lui de trouver le temps pour s'entraîner. Donc c'est aussi une valorisation pour la natation réunionnaise. Oui. Non, c'était important, je crois qu'il l'a dit, Franck Schott, il n'a pas souhaité faire une équipe de mercenaires. Les mercenaires, bien que ce soit des Réunionnais, mais il a vraiment essayé de trouver un mix des deux. Et ça a été vraiment un choix qui est payant, parce qu'on le voit entre les plus jeunes, et ceux qui ont de l'expérience, ceux qui s'entraînent dans l'Hexagone, ceux qui s'entraînent ici, pour donner une véritable équipe. Et on voit le résultat. Tout à fait. Et par contre, il faut voir dans 4 ans à quel niveau sont nos voisins. Il remonte aussi, doucement mais sûrement. Pour avoir des médailles d'argent par la suite. Mais c'est bien. Ça veut dire aussi que la natation progresse et que c'était c'est une progression d'ensemble avec forcément des résultats qui arrivent tout de suite derrière. Tout à fait, oui. Et bien, on est reparti encore pour une nouvelle course. Voilà, enfin ma. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de l'annoncer, donc elle arrive enfin. Faut dire que je suis impatient parce que. On va savoir pourquoi est-ce qu'il y a une domination séchelloise. Oui. Hier, on a dit 8 médailles sur 9 étaient réunionnaises. Là, on peut encore penser que pour le plateau d'aujourd'hui, voilà encore une médaille qui va peut-être échapper à la Réunion. Mais bon, une surprise est possible. Hein. Je suis sûr que vous avez dopé la demoiselle. Mais il est clair que d'après la course du 50 mètres hier, donc la séchelloise va dominer. C'est clair. Ensuite, derrière, entre Maurice, la Réunion, qui va être deuxième, qui va être troisième, on ne sait pas, donc on verra. Ça c'est bon, dans 1 minute 10 on saura. On espère qu'il y aura des podiums pour nos nageuses quand même. Mais la course est ouverte. Hein. C'est vraiment même une jeune de Madagascar qui est à 1-9 et nous, des deux réunionnaises qui sont à peu près en équivalence avec Arzette qui est la jeune de Maurice, qui s'entraîne aussi aux États-Unis. À la ligne numéro 2. Sur le 50 mètres. L'air d'Alexus l'a emporté hier. Donc on va voir. Nous verrons bien. Alors le record c'est 1,763. C'est Arzette, la Mauricienne qu'il détient depuis 2011 aux Seychelles. Et le record de la Réunion c'est Ainoa Boucher qui le détient en 1,0602. Voilà, donc là c'est parti. Hein, donc Seychelles déjà devant. Maurice avec Christelle à la numéro 3.
sont à peu près, pour le moment, en deuxième position. Et puis à Inoa, et puis... Non, il est un petit peu plus en retrait. Un petit peu en retrait, mais donc la, voilà, c'est la... Là, c'est chez Oise. C'est chez Oise, imbattable. Je regarde le temps de passage, bon, elle passe sous 30 secondes. C'est monumental, quoi. On pourra... Avec du coup les monumentales, après on verra bien au niveau de la deuxième. Vous voyez, la Mauricienne vient de sortir d'une coulée monstrueuse, elle a pris un mètre que dans la coulée à Christelle qui se bat pour la médaille de bronze. Oui. Allez, on va essayer d'avoir une belle médaille de bronze. Alors, maintenant, le tout c'est de savoir comment terminer cette course. Il faut qu'elle termine. Allez, c'est bien Christelle. Elle va remonter sur la Mauricienne. Elle peut revient, peut-être la dépasser. L'argent, là, peut-être, elle peut dépasser. Oh là là. Alors, un Seychelles. Et deux. Troisième. Voilà. Troisième. Super, super performance de Christelle. Une 6,40 à 20 centièmes. Médaille de bronze. Donc on a un Seychelles. Deux. Deux, c'est Maurice. Trois, la Réunion. En numéro 4, c'est Aïnoua Boucher. Une 7. Non, non, c'est pardon, c'est à la 5, c'est. C'est la Félicité voilà, Aïnoua Boucher, une 8. Ouais. Bon, belle course, belle bagarre, super. Voilà, très belle tenue. Alexus qui part devant. Et puis ensuite, Arcette. Alors pour Arcette, ça ne va pas être facile parce qu'elle avait le record. Et puis, elle est battue. Elle est battue. Pour vous, il y a de la joie, il y a une petite émotion quand même. Voilà. Allez, n'ayons pas peur des mots. Il y a quand même votre fille, il faut le dire. Voilà, votre fille qui termine troisième. Elle a sa médaille. Hier, elle terminait quatrième. Elle était. On sait que c'est la médaille la plus difficile. Et ben voilà, ça y est, elle a obtenu sa médaille. Elle était à la lutte. C'est une belle course. Hein. Mais alors, une 3, 50, je ne vois pas tout le temps. Là, c'est une 52 ou 56. Donc, record. Battue largement de 4 secondes, c'est super. Je suis avec la grande gagnante, effectivement, un véritable phénomène. You were favorite, it was your aim to have the gold today? Yes, it was. Very excited. What are you feeling now? So much excitement, and I'm going to bring that into my next event. Essaye de faire Christelle derrière. Christelle malheureusement, elle ne m'a pas entendu. J'aurais bien voulu interviewer Christelle, celle qui a elle est à l'arrêt, je crois, non? Elle est pas là. La médaille de bronze. 100 mètres d'eau, messieurs. Allez, c'est reparti avec le 100 mètres d'eau, messieurs, avec hier la victoire sur 50 mètres d'eau du français Pierre-Yves Després. Et ben le Réunionnais, le Créopolitain, avec son record hier. Et aujourd'hui, il a très certainement un remake de sa course sur 100 mètres. Je crois qu'il faut s'attendre à cela. Il est parti pour encore faire une grosse épreuve. Il y a de la joie, on voit ça, mais c'est vrai que c'est... À la ligne numéro 3 pour Madagascar, Henri. Eh oui, on va voir la course là. Avec Pierre-Yves Després, vraiment très très près, très loin par rapport à ses adversaires. Mais après derrière, il y a Damien Delmotte qui est aussi pas mal avec une 2,80. Je crois que c'est son record. Puis on va voir, mais c'est. Alors tout à fait. Donc là, on a aussi Pierre-Yves Després qui s'entraîne au pôle de Dijon, qui est créopolitain depuis 2 ans. Et qui progresse de façon très régulière pour se rapprocher du top 20 au niveau des meilleurs nageurs français de dos. Je pense que là, il va, à mon avis, battre le record des Jeux des Îles. Et puis derrière, Damien Delmotte, qui n'a que 16 ans, qui a fait le deuxième tour ce matin, qui va peut-être, cet après-midi, je pense que c'est son ambition, battre la meilleure performance réunionnaise du 102, qui est 1,02-21. Alors je vous rappelle que aussi le malgache qui est pas mal aussi. Alors Anthony Lalamon. Oui, ils sont une 4. Alors il faut se rappeler que le record donc de Rino est détenu par Mazzanelli depuis 1998. Ah oui, voilà, donc ça fait des temps. Voilà, donc Pierre-Yves prend avec son rythme de bras soutenu qu'il caractérise. Donc il part en avant, il sera par. Pas rejoint. Par contre, c'est vrai que Andrea Mira, il surprend un petit peu. Là. Il est bien parti. Il est bien parti en même temps que Damien. Oui.
Et voilà, encore une belle bagarre pour la médaille d'argent et la médaille de bronze. Alors Pierre-Yves, c'est donc le record 58-15. À mon avis, c'est son ambition, il va y arriver. Et derrière, la lutte pour la deuxième, ben voilà, c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. Allez Pierre-Yves. Ça va. Si, si, c'est gagné pour lui. Hein. Deuxième, c'est plutôt 58. Pour la médaille de bronze. Alors c'est pour qui? Hop, bien joué. Alors, le record n'y est pas. Il a raté de 30 centièmes à peu près. Avec en numéro 2, donc c'est Badamia, une 30, je sais plus comment, je sais pas. En fait, c'est, de toute façon, il bat sa meilleure performance des 16 ans. Voilà, c'est le record des 16 ans. Avec un malgache qui termine troisième. Tout à fait. Il fait une très belle course. Ah oui, Damien qui bat son record chez les 16 ans. Voilà, très belle perf de sa part également, avec une course. Hein. Il savait que ça allait être un peu plus compliqué. Après, bon, Pierre-Yves, lui, il a continué son cavalier seul, son petit bonhomme de chemin. Il a nagé sans aucune difficulté, sans pression. Ouais. Et puis, par contre, derrière, c'était plus compliqué. Et puis, on s'est dit, moi, je dois dire que je pensais vraiment que le malgache serait venu essayer de perturber un petit peu cette hiérarchie pour peut-être batailler sur la deuxième place. Je suis actuellement avec Pierre-Yves. 50 mètres d'eau hier, médaille d'or aujourd'hui, vous réitérez l'exploit. Vous n'avez pas battu le record, mais je suppose que vous êtes très satisfait de la course que vous avez menée là. Bah ouais, c'est vrai que hier 50, aujourd'hui je double 100. Mais bon, j'avais en tête le record qui était de 58-15. Et puis, je passe pas trop loin. 30 centièmes. Ouais, un peu plus de 30 centièmes. Mais bon, c'est une belle course, je fais mon meilleur temps. Donc, c'est déjà pas mal. Et puis, il restera le relais 4x100 pour, au départ, essayer de prendre ce record qui serait bien d'écrire mon nom sur les tablettes. Ou sinon, faudra revenir dans 4 ans. Et si je peux me permettre, ça signifie quoi là, ces tatouages là, or et argent sur votre poitrine? C'est juste que ça n'a pas de signification particulière. C'est juste qu'on avait des tatouages et puis... Bon, les amis, comme ça, une petite marque, il n'y a rien de spécial. Merci beaucoup Pierre-Yves, allez vous reposer, vous le méritez bien parce qu'ils sont extrêmement essoufflés après une course et c'est pour ça tout à l'heure que je n'ai pas pu avoir malheureusement Christelle, elle était beaucoup trop essoufflée. En tout cas, elle n'a pas manqué de venir faire un coucou à son papa pour cette joie, cette grande joie qu'ils ont partagée en famille, à distance, mais néanmoins en famille. Oui, en plus, elle réalise vraiment sa meilleure performance après une année un peu difficile sur le plan de la santé. Alors, je voulais juste dire un petit clin d'œil par rapport au record de la Réunion du Sando. Donc, il appartient à un nageur que personne ne connaît, Franck Schott. Voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. Et le record qu'il détient toujours, 56,99, date de 1990. On ne va pas lui prendre tous ses records aujourd'hui, soyons sérieux. Donc, il a déjà perdu un record, on ne va pas lui faire perdre un second, mais c'est vrai que c'est donc il y a 25 ans, Franck Schott nageait 56,99 au 100 mètres d'eau et il avait à l'époque 20 ans. Ben voilà, ça montre bien donc, qu'il y a de la marge pour les jeunes générations qui sont en train d'arriver. Donc je souhaite beaucoup de travail et de courage à Damien Delmotte. Il faut savoir que Franck était parti à l'âge de 16 ans en métropole, à Font-Romeu, et que donc il a rejoint les Pôles Espoir et les Pôles France très tôt, se rendant compte qu'en fait, à La Réunion, pour passer à un autre niveau, il faut partir. Il n'empêche qu'il y a un travail formidable qui est fait aujourd'hui à La Réunion, dans les clubs, les bénévoles. Les bénévoles, c'est aussi ça, ils jouent leur rôle grandement. Alors, dans la réussite de cette natation réunionnaise. Quel que soit le sport, mais parlons de natation, en fait, pour faire des bons nageurs, il faut d'avoir des structures. Une piscine, ça, ce sont les municipalités qui nous offrent les équipements. Ensuite, des nageurs, des sportifs, ça, il y en a partout. Ensuite, il faut des entraîneurs. Donc, des entraîneurs, il y en a maintenant de plus en plus. Et les entraîneurs, il se trouve qu'ils sont de plus en plus tous des salariés. Et je pense que c'est une bonne chose que notre sport permette, en fait, de créer des emplois. Exactement. Ensuite, il faut des sous. Alors, les sous, c'est les subventions municipales, c'est les sponsors, c'est les cotisations. Mais tout ça ne marcherait pas s'il n'y avait pas autour de nous les bénévoles. Et les bénévoles, ce sont tous ces gens-là. Aujourd'hui, il faut qu'il y a... Nous avons 30 bénévoles pour encadrer cette journée de natation. Et tout au long de l'année, ce sont 30 bénévoles pour toutes les compétitions. Eh bien, sans bénévoles, il n'y aurait pas de sport. Et je crois qu'il faut le reconnaître, il faut les saluer. Merci tous les bénévoles. C'est de la passion, c'est de la valorisation. Et il faut continuer, et ce n'est pas toujours évident.
Voilà, le mot est dit et c'est de la, c'est évident, c'est de la, la parole qui vous était donnée et c'était aussi l'occasion parce qu'on le sait, les bénévoles c'est aussi dans le social, c'est vraiment des personnes qui donnent du temps pour le partage, pour le bien-être des autres. Tout à fait. Alors nous on a essayé de voir au niveau de l'équivalent financier au niveau de notre club, le temps du bénévole correspond à peu près à 100 000 euros d'argent. Il y a même le statut du bénévole aujourd'hui. Tout à fait, 15 euros l'heure. Allez, on va faire ce nouveau podium avec encore un doublé réunionnais. Vraiment, au niveau des jeux, on l'a vu d'ailleurs, après la journée d'hier, la Réunion est passée devant et la Réunion va confirmer encore plus avec toutes les médailles apportées, toutes ces médailles d'or apportées par la Réunion. Oui, oui, c'est vraiment... Par les nageurs réunionnais. Ouais. Et c'est un beau spectacle parce que c'est pas évident, on est à la lutte. Les îles maintenant se réveillent, Madagascar se réveille, les Seychelles, on l'a vu, Maurice se réveille. Et ça nous oblige en fait à nous dépasser. On est obligé de battre nos meilleurs temps. Chacun obligé de battre son record, tout à fait. Non, ils ne peuvent pas arriver là. Belle deuxième place. Première et vainqueur de ce 400 mètres nageuse avec un nouveau record du jeu des îles, Morel Alizé de la Réunion en 4 minutes 19 secondes 3 centièmes. Et voilà, une médaille de plus pour Alizé. Donc ça fait deux individuels, un relais. Mathilde Haro. Et Mathilde. Alizé Morel. Ouais. Et Liman Tok. Merci. Vraiment, c'est encore une fois un très très beau podium sur ce 400 mètres nage libre. Avec des beaux sourires. Voilà, ce qu'il faut retenir, ce sont les sourires de nos nageuses et de nos nageurs. Le bonheur qu'ils ont à nager les uns contre les autres. L'amitié qu'il y a entre les équipes, entre les ah oui, nations, on l'a vu dans les fédérations. La tribune des nageurs, il y a de la joie. Hein. C'est vraiment ça. Ça se partage, ils se mélangent et ils sont tous ensemble. Et c'est beau à voir. Et ça a toujours été comme ça. Le monde de la natation, c'est une immense fraternité. Et la lutte terrible dans l'eau et dehors, c'est vraiment la grande famille. Et c'est fou parce que alors, vous m'expliquiez qu'au début, c'était entre La Réunion et Maurice, au départ, en 79, quand ça a été lancé. Et puis maintenant, on voit que ça s'est élargi et ça va encore continuer à s'élargir. C'est beau. Mais tout simplement pourquoi? Parce que Seychelles a des structures. Comme je l'avais dit, il faut des structures, il faut des piscines. Donc les Seychelles ont des piscines tardivement. Madagascar s'entraîne de façon plus difficile parce qu'en fait, ils ont des installations assez anciennes. Et puis Madagascar, c'est en altitude. Donc il fait froid. Ils ne peuvent pas s'entraîner toute l'année. Le trou est chauffé. Là, elle est à 26 degrés, 27 degrés. Madagascar, elle est à 18 degrés à peine elle arrive. Donc voilà, c'est très En hauteur, ça veut dire qu'à partir du mois de juin, c'est terminé. Plus personne ne s'entraîne. Nager deux heures dans l'eau, c'est impossible. Ouais. Bravo les filles. Et Alizé Morel qui va continuer, c'est sa deuxième médaille d'or, mais il lui en faut beaucoup plus. Hein. Il lui en faut 8. Hein. Ouais. Donc c'est parti. Hein. Voilà une telle marche d'avance, Alizé. Vous pensez qu'elle va le battre, ce record-là, les 8 médailles? Elle peut l'obtenir? Oui, c'est clair. Le 100 mètres, le 800 mètres, ça en fait 3 de plus. Plus de relais encore, ça fait 5 de plus. Voilà. Les deux relais, je pense qu'elles les auront. Encore que le 4 nages, c'est pas évident, mais bon, on ne sait jamais. Le 4 façons, c'est pas évident non plus. Ils l'ont battu hier. Donc je suis sûr, ça va se passer. Elle aura ses 8 médailles. Non, mais en plus, elles ne se laisseront pas battre. Ça, c'est clair. Alors, on verra. Le message a été entendu. On va leur faire passer pour qu'elles continuent à garder leur motivation. D'accord. Alors, voilà les garçons. Donc, encore la surprise, effectivement, de voir non pas Benoît sur la première marche, mais de voir que Maurice et les Seychelles sont numéro 2, numéro 3, ce qui n'était pas prévu d'après les temps d'engagement. Ça montre bien que ça grandit. Voilà. Il y a de plus en plus de nations qui sont justement au rendez-vous. Et j'en profite pour saluer les téléspectateurs de Mayotte qui nous regardent, qui suivent cette antenne. Et peut-être que dans 4 ans, il y aura des nageurs maorais qui seront sur ce podium. Oui, mais je crois qu'il faut d'abord leur construire une piscine.
peut-être. Voilà. Bon, la ils n'ont pas encore de piscine olympique, mais ça va venir. La France est capable de faire ça. Et puis, ça. Et puis je suis certain que voilà, exactement. Et puis, il y en a d'autres qui, peut-être, s'ils ont du talent, partiront dans l'Hexagone et reviendront. Oui, tout à fait. On a vu, il y avait des. On se souvient du nageur au niveau mondial là, qui s'entraînait, qui avait passé son temps à s'entraîner dans la piscine de l'hôtel. Ah oui, tout à fait, oui, bien sûr. Il y a Maurice, avant les deuxièmes Jeux des Îles qui étaient en 85, les Mauriciens s'entraînaient dans les piscines des hôtels. Le premier et vainqueur de ces Jeux des Îles, De Bast Benoît pour la Réunion en 3 minutes 54 secondes et 97 centièmes. Là, on a quand même en fait des performances sur les différentes disciplines qui nous montent petit à petit vers le niveau plus international. Donc la qualité des performances, c'est quand même quelque chose de positif pour l'île de la Réunion, sachant quand même que la majorité des meilleures performances sont faites par des Créopolitains. Oui. Mais bon, on peut pas l'empêcher. C'est oui, mais ça veut dire qu'il y a un turnover. Ça veut dire que demain, ceux qui sont là vont devenir des Créopolitains et les autres auront pris leur place. Ceux qui ont grandi, je pense à quelqu'un comme Corentin, voilà, dans 4 ans, il sera peut-être à son tour un Créopolitain, mais il aura découvert. Oui, voilà. Et d'autres encore sont en réserve. Je suis sûr que dans votre club, vous en avez eux qui sont déjà... Oui, tout à fait. On a un jeune qui a terminé les championnats de France d'Agen avec des performances sur son nage libre absolument extraordinaires. Mais c'est aussi des jeunes qui, à mon avis, demain ou après-demain, vont partir en Pôle France. Vous, c'est la SEC Saint-Paul. Hein, la SEC Saint-Paul, oui. Voilà. Donc ces jeunes-là, au Corentin, il va encore peut-être tenir un an ici, puis il va partir. Et c'est logique, si l'option sportive est dans le projet du sportif et dans le projet de la famille, il faut y aller. Et puis voilà, ça passe ou ça casse. Mais il faut y aller. Exactement. Et ensuite aussi, les encourager peut-être à partir plus loin, traverser l'Atlantique et aller aux États-Unis. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Comme Géraldine, qui va y aller maintenant. Qui va partir l'année prochaine. Encore une belle course. Alors là, on va attaquer le 50 mètres brasse. On commence avec les 50 brasses, messieurs. Et là, attention. Là, on rentre dans les choses véritablement sérieuses. Avec d'abord le 50 brasse dames. Oui, alors Géraldine, pas de problème. Elle est détentrice du record depuis 4 ans. Depuis 4 ans, Seychelles, 34-0-0. Elle a le record de la Réunion en 33-75, ça c'était avant qu'elle parte en pôle, en métropole. Et derrière elle, il y a Jody Foulquier qui a 17 ans, donc qui va elle partir en pôle à Amiens à la rentrée, là, au mois de septembre. Mais sa dernière sortie ici chez elle sur ses terres à la Réunion. Oui, vous pensez au doublé réunionnais? Alors peut-être, mais encore attention là, l'île Maurice est tout près. Et donc avec l'orgueil national, avec la rage de gagner, sur un 50 mètres, c'est aussi la puissance, c'est l'impulsion au départ, et vouloir gagner à tout prix, les encouragements, voilà. Ouais, donc pour Géraldine, certainement oui. Pour Géraldine, c'est mission presque. 2-3, je ne m'engage pas encore. Voilà. Logiquement, jeudi devrait pouvoir passer. Nous allons avoir la surprise. Mais c'est vrai que Géraldine paraît tellement... au-dessus du lot, ça va se jouer pour Jody Foulquier face à Poucheong. Hein. Poucheong est pas mal aussi ce matin, elle a fait une très belle course. Jody aussi s'est bien défendu, donc on va voir qui pour les places de 2 et de 3. En tout cas, on le sait, c'est 30 secondes d'émotion, c'est extrêmement rapide sur ce 50 mètres brasse, mais c'est... attention. Alors, Géraldine, il y a 2 ans, était médaille de bronze au championnat de France sur 200 brasses. Lorsqu'elle nageait à Montpellier. On va suivre ça de près alors. Géraldine, ligne d'eau numéro 4. Jody Foulquier, couloir 5. Et Poucheong, la Mauricienne, très bien placée, ligne d'eau numéro 3. À suivre ces trois personnes. Un temps de retard pour Géraldine, là, Jody est bien partie. Et maintenant, la bagarre. Donc on voit déjà la puissance de Jody, mais la Mauricienne aussi, ligne 3,
Elle mouline pas mal. Jeudi est pas mal aussi. Et hein. Géraldine devrait. C'est maintenant qu'elle fait son effort. Voilà. Oh c'est maintenant qu'elle passe son effort. Et là, c'est jeudi qui est surprenante. La Mauricienne surprenante, ça va être. Ouh, ça va être serré ça. Hein. Serré. Attention. Donc, Géraldine, voilà. Géraldine, le Géraldine, Géraldine mais. Jeudi, deuxième. Doublé, réunionnais, bonne performance. 33-40 et 34-18. Alors c'est le record. 33-40. Le record battu, record des Jeux des Îles. Et 34-70. Ouais. Pas mal. Et c'est la meilleure performance de jeudi. Elle n'a jamais nagé aussi vite. Et voilà, nouveau doublé. De nos petites nageuses, super. Vous savez que j'ai arrêté de compter au niveau des médailles. Hein. Au début, j'ai commencé à prendre note. Ouais. Maintenant, je pense que j'ai arrêté. J'espère que du côté de la régie et de l'équipe, vous avez pris des notes. Parce qu'en ce qui me concerne, j'ai arrêté. Il y a trop de médailles à compter. On fera le détail tout à l'heure. Après la cérémonie. Voilà. Ceci dit, le relais 400 mètres nageant, messieurs, qui va se dérouler après, on ne le verra pas en direct, je crois, et donc on ne pourra pas annoncer la médaille. Alors là, ça va être le moment, j'en ai des frissons de savoir ce qui va se passer. Là. On va d'abord écouter. Très, très rapidement, parce qu'on est juste à côté de la musique. Géraldine, vous êtes satisfaite de votre course ? Oui, très satisfaite parce que je voulais battre le record et c'était cette course où j'avais le plus de difficultés. Donc, je suis contente de gagner et de faire en plus ce record de large en fait. 6 dixièmes, c'est énorme sur ma 50, donc je suis très satisfaite. Ouais. Merci beaucoup Géraldine, c'est à vous Thierry. Merci, bravo mesdames, parce qu'avec la musique, on le sait, ce n'est pas évident. Oui, ben là je crois qu'on arrive avec la course de l'après-midi, duel Réunion-Maurice. Grosse perf ce matin de Faubourg qui a déjà battu le record des Jeux, Dimitri Faubourg, qui est la révélation, l'homme qui tout réussit depuis quelques temps pour l'île de la Réunion. Et puis face à lui, le Mauricien Olivier Haching. Oui, alors Dimitri... Et puis bien sûr, Darren, la star. Qui est régulièrement dans les finales B des championnats de France, qui a encore été en finale B à Montauban, qui a battu le record des Jeux des Îles ce matin, et le record, son propre record de la Réunion, mais très largement de 40 centièmes. Et là maintenant, les deux Réunionnais contre les deux Mauriciens, qui va gagner, je ne sais pas. La logique serait Dimitri, mais... On connaît aussi là le mental des Mauriciens, et notamment de Darren, qui voudra certainement prendre sa revanche sur 200 brasières. Oui, non, là, ça va être le final, le moment d'émotion de l'après-midi avec cette course. Hein. Et certainement la course la plus indécise en natation de ces Jeux des Îles, de ces 9e Jeux des Îles. Mais écoutez, ça va être parfait. Suivre ça de près, mais on entend, de toute façon le public l'a bien compris, hein. C'est vraiment la course à ne pas rater. Maurice Réunion, presque en équipe, avec... Voilà, du sprint c'est pur. Bon, j'ai tout écrit, cette fois-ci je l'ai fait. Là, ça va s'arracher. Alors, c'est la puissance, c'est la vélocité, la volonté. Sur un 50 mètres, aller le plus vite possible. Alors Dimitri a un tout petit peu d'avance et je pense qu'il ne pourra plus être battu. Non. En numéro Darren. Darren qui revient quand même. Ah, c'est Darren revient, juste. Mais ça va lui être juste. Hein. C'est Dimitri qui va gagner. Dimitri qui va l'emporter. Dimitri, voilà. Un Dimitri. Darren en deux. Eh ben, il l'aura battu deux fois. 29, je pense que Darren, il s'en souviendra de son passage au Jeux des Îles, hein, avec un nouveau record absolument. À la clé. C'est 29-26, il a battu d'un centième. Ouais. Bravo Dimitri. Encore une fois, une très très belle victoire de sa part. Il bat Darren, qui ma foi est quand même un sérieux candidat. Et encore une fois, Dimitri Faubourg fait le show et il réussit à gagner. Et là, on retrouve simplement en fait chez Dimitri, c'est un guerrier. Et on l'a vu aujourd'hui, on l'a vu ce matin. C'est quelqu'un qui est toujours présent au grand moment. Il est parfois un peu moins présent quand les compétitions sont moins importantes, mais quand il y a une compétition, championnat de France, les Jeux des Îles,
quand il faut être là, il est là, et c'est un guerrier. Et ça, c'est dans son tempérament. Okay, c'est okay. En fait la génétique qui domine là. C'est ainsi. Et bravo Dimitri, c'est vraiment la fière. Et c'est quelqu'un qui s'entraîne à La Réunion, qui n'est pas en pôle. Donc c'est vraiment un grand moment pour notre natation réunionnaise. Mais voilà, c'est sur cette belle victoire que l'on va se quitter. C'est la fin de cette retransmission. Une très belle après-midi, vous l'avez vu, de natation, que j'espère vous avez apprécié. Place maintenant au handball avec la rencontre masculine Mayotte-Seychelles avec notre confrère Johnny Lérivain depuis le gymnase de la Possession. À demain et vive le sport sur Réunion Première.